Audio Jungle. Coucou les amis, c'est Gilles Alma pour Édition Limitée et tout de suite c'est l'interview chic et décalé, enfin surtout décalé. Mon prénom c'est Gilles Bongibault, B-O-N-G-I-B-A-U-L-T. Si j'étais mon vrai nom, je pense qu'aujourd'hui je serais poissonnier parce que toute ma famille était poissonnier, j'étais poissonnier pendant 8 ans et je sentais mauvais. J'étais dans la station de métro Alma Marceau et j'ai vu cette affiche et je me suis dit, il y a Sophie Marceau, il y aura Gilles Alma. Avec beaucoup d'humilité bien sûr, hein, Sophie, je suis pas encore à ton niveau. Je serai l'abîme qui sort le 8 février sur France 2, dans lequel j'ai le premier rôle, bien entendu. Je serai Maurice Sacco, sans hésiter. J'espère l'être un peu, voilà, ce serait moi. Il m'est arrivé un truc fou, à un moment je mime le ski et mon pantalon a craqué. Le problème c'est que j'avais pas de sous-vêtements. Donc je me suis retrouvé les baloches à l'air devant tout le monde et c'est surtout le premier rang. Je crois que je serais content de m'avoir parce que je suis vraiment pas casse-couille. Il y a César Wagner, c'est ma série. Il y a L'Abîme, c'est une autre série, un 6 x 52 minutes en 3 soirées sur France 2 qui va passer bientôt, là, maintenant, peut-être, maintenant chez vous. Il y a mon spectacle Gilles et Ben réunis, Paris, dans toute la France. Et il y a la deuxième saison de Parallèle, très très certainement sur Disney+. Bam! Je serais le Dalai Lama. Non. C'est mon fils, il voyait ça quand je lui mets des tartes dans la tronche, il dirait, mais il se fout de ma gueule. Je swipe la télé-réalité. Ah, un criminel, il va pas dire ça. Enfin, bon, direct, hop, merci. La moule de Bouchot, les amis. La moule de Bouchot, c'est vraiment une période très courte. J'adore les moules de Bouchot. Mangez-en, c'est très bon pour la santé. Et c'est en édition limitée. C'est le poissonnier qui vous le dit.